France, a few hours from the capital, the quiet village town of Condé-le-Herpie. A small yet distinct structure breaks the charming landscape, yet house something quite remarkable. A story. A people. A tale of incredible inspiration. Cette mosquée, c'est vraiment notre centre. C'est notre centre qui nous permet donc de pouvoir remonter au niveau de notre iman, de notre foi. Dans l'esprit, on était chiite dès le départ, mais on ne le savait pas. On était devenus musulmans parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens ont toujours dans la tête, alors que chez les Français encore pire, mais même chez les musulmans, de croire que parce qu'on est musulman, on n'est plus français. Parce qu'on se connaissait tous avant, on se connaissait d'avant. Réaliser quelque chose de concret, autour de quoi on s'est mis à tourner, quoi, en fait. À travers les expériences qu'on a faites, on a eu l'impression qu'on était quand même agréé. Moulinet, c'était vraiment une délivrance. La vie, c'est le temps de la preuve et de l'épreuve. Le chiisme en lui-même porte une doctrine sublime. Et que, Dieu merci, on a encore un imam qui est présent parmi nous, bien qu'occulté, et que c'est vers lui qu'on se tourne, quoi. Ma préoccupation, c'est d'être en rançon pour l'imam, voilà. Et c'est sur nos gamins que vont reposer si l'histoire continue ou si elle continue plus. J'avais 27 ans que je suis devenu musulman. Moulinet, c'était vraiment une délivrance. On était devenus musulmans parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens. Je m'appelle Jean-François Régnier. Pour les musulmans, je suis Abdelrahman. J'ai donc trois enfants, trois filles, de 25, 20 et 15 ans. Et je suis donc originaire du village d'à côté, là, qui s'appelle Écli. Vous voulez rester une semaine à la poste? Ah oui, oui. Non, j'ai pas compris. Ah d'accord, okay. J'ai entendu. Ben, c'est Jean-Luc au départ, René Raymond, si tu veux savoir tout, et puis Abdelmajid, musulman, voilà. On habite à Rethel, mais à la sortie de Rethel, et puis, mais l'avantage, c'est qu'on était tellement à la sortie qu'on était quasiment en campagne. Si tu veux, à pied, je faisais 500 mètres, j'étais dans les champs. J'ai comme loué d'avoir eu des parents vraiment aimants et puis attentionnés, quoi. Et puis protégés. Il y avait le cercle familial. Moi, ça me suffisait largement. Et non, j'ai eu une enfance vraiment bien. Moi, un petit peu moins dur qu'Abdelrahman, parce que lui, il a eu des moments assez durs. Nous, mes parents sont agriculteurs, donc de la terre, donc ils sont restés. Il n'y a pas eu le problème qu'a eu Abdelrahman. Mais bon, ça lui a servi aussi. Hein. Semi-catholique aussi.
Parce que papa, lui, il n'a jamais rien voulu savoir, il a toujours été négateur, convaincu de toute religion. Ma mère, c'est par ma mère que je suis allé au catéchisme et que je suis allé à l'église, j'ai fait mon baptême, j'ai fait ma première communion, la communion d'avant. Et pour finir, je me suis même marié à l'église alors que je n'étais pas croyant. Il n'a jamais posé de questions, enfin mon père est décédé, mais bon, c'est tout. Par contre, il respecte notre façon de voir parce que c'est l'éducation, on ne renie pas l'éducation qu'ils nous ont donnée. Quoi. Donc voilà, c'est leur surprise d'après, quoi. Parce que sur le coup, c'est la barrière, et puis après, finalement, c'est pas si, si leur truc, c'est pas si mal que ça. Quoi. Donc là, c'est Abdennour, là, c'est Abdarrahman, Ibrahim, et Noura, c'est 1966. Enfin, en plus, on est né à une époque où c'était quand même l'après-guerre, même si je suis né en 57. C'est-à-dire que tout le monde était pauvre, tout le monde était solidaire, et la différence d'aujourd'hui, il y avait une unité entre les gens. Quoi. Les gens n'étaient ni meilleurs ni pires qu'aujourd'hui, mais il y avait une solidarité et surtout le bien était le bien pour tout le monde. The French rural countryside has long been the home of France's large portion of French Catholics. Close-knit communities where people all know one another. Tradition and fundamental Catholic principles run deep within the fabric of the society, a world away from the secular, larger, urban areas of Paris and Marseille. The religion dictates the culture and upbringing of the community. For most, this becomes the norm. However, every so often, this is questioned with varying outcomes. Tu cherches, tu sais pas quoi, mais les choses te satisfont pas, t'es pas satisfait de toi, il manque quelque chose. Hein. Et, tu sais, lumière des abandonnés dans les ténèbres, dans la doigt comme elle. T'es là, tu erres et puis t'es pas satisfait. T'as pas tes réponses. Puis je me suis rendu compte après, quand on est allé devant l'autel, on nous a demandé de renoncer à Satan. Alors là, j'ai articulé les mots parce que je me suis dit, à l'époque, oui, il faut renoncer à Satan. Alors ça ne passait plus, tu vois, là vraiment. Plutôt que d'être un hypocrite, non, je préfère envoyer tout promener que de m'engager à des choses que je ne comprends pas. Et donc après, j'ai vu que les gens eux-mêmes ne croyaient pas à ce qu'ils disaient. Like a river that has burst its bank flowing unpredictably, so does the spread of Islam. Like the water flowing, Islam has its own way of spreading and reaching the heart through ways and means unpredictable. When the inspiration is born, often beliefs and customs that were taken as norms become questionable, no longer making sense as they once did. Tout ça, ça a commencé à se fendiller avec le goût de plus en plus amer de se dire qu'en fait on m'a raconté des tas de choses qui paraissaient bien, mais on m'a beaucoup menti. On ne se le dit pas comme ça, mais on commence à avoir des doutes sur ce qu'on nous a donné. Et ça, d'année en année, ça n'a fait que monter en puissance, quoi. Donc au bout d'un moment, la messe, vu que les nouveaux curés, qu'on leur posait des questions, ne serait-ce que théologiques, il n'avait pas beaucoup de réponses. Donc petit à petit, on peut dire que je me suis déchristianisé. Pas par un désir d'émancipation, du tout, au contraire, parce que j'étais quelqu'un d'assez soumis, si j'ose dire, déjà de naissance. Donc je n'étais pas révolutionnaire. Moi, j'aurais bien voulu que ça continue comme avant. Donc si je me sortais de tout ça, c'est parce qu'on me décevait. C'était pas parce que je voulais sortir, ni d'autres raisons, mais parce que c'était de moins en moins crédible. Je ne comprenais rien à l'intérêt de vivre sur Terre. Donc là, j'ai eu un bref passage de laisser aller, on peut dire, avec de l'alcool, de la drogue, essentiellement du cannabis, hein, et j'ai arrêté plus loin, pendant un an comme ça. Mais en fait, j'étais dans une désespérance complète. There are often times in one's life where God's inspiration can come from nowhere. Even in the depths of darkness and depravity,
light can emerge guiding towards the truth. Quand je suis descendu là-bas, on jouait toujours des fois aussi avec la mort, on prenait les voitures, on roulait dans les petites routes à fond la caisse en rigolant comme des imbéciles. On aimait bien ce genre de petites bêtises-là. Et donc quand je suis descendu, à un moment donné, je me suis retrouvé sur un pont où il y avait, comme il y a dans le sud, un peu d'eau au fond, puis beaucoup de gros cailloux avec, je sais pas, 8, 9, 10 mètres, voilà quoi. Et je m'amusais à courir sur le parapet comme ça, tout seul, donc sans aucun intérêt quoi. Et au bout d'un moment, je me suis mis au milieu, puis là je me suis dit, bon, soit tu sautes ou soit t'arrêtes quoi. Donc je suis descendu de mon parapet, je suis revenu chez les copains là, et puis j'aurais dit ça y est, c'est fini, je ne bois plus, je me défonce plus. Donc, ils m'ont pris pour un fou, et de ce jour-là, ça a été fini. Et donc déjà là, j'étais donc sorti d'une sorte de désespérance, et donc à ce moment-là, c'est là que je me suis reposé les questions fondamentales, à savoir, bon déjà, est-ce que tu es croyant ou incroyant ? Je ne pouvais pas dire que Dieu existait, mais j'étais sûr qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'existait pas. Ça peut paraître des jeux de mots, mais pas du tout. When the truth hits, it becomes increasingly difficult to deny and return back to a sense of heedlessness. The calling becomes so strong, to ignore is even more difficult. In this way, they all found their realization one by one. Et donc, pendant cette période-là, alors il y a quelque chose quand même qui s'est joué, c'est que moi, mes deux frères étaient déjà musulmans. Mes deux grands frères. Mais bizarrement, ça n'a absolument pas joué. Je ne suis pas devenu musulman parce qu'ils étaient musulmans. Quand j'ai appris qu'Abdelrahman était devenu musulman, que je le connaissais d'avant, parce qu'on se connaissait tous avant, on se connaissait d'avant. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, il fait comme ses frères. Ça me paraît conformiste, si tu veux. J'ai jamais pensé, parce qu'ils sont musulmans, peut-être que moi, je pourrais devenir musulman. Ça ne me venait pas à l'idée parce que, justement... C'était des choses qui, pour moi, ne se décidaient pas comme ça. Mais où ça a été intéressant, c'est par eux que j'ai commencé à découvrir René Guénon. Le point de départ, c'est... On a rencontré les deux frères d'Abdelrahman, qui sont plus âgés que lui, qui revenaient de Soudan et qui s'étaient convertis à l'islam. Donc c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'islam, véritablement, quoi. Comme quelque chose d'extérieur, une autre civilisation, une autre culture. Donc il m'a prêté un Coran en français. Hein. Et puis je me souviens, je le lisais tous les soirs dans le lit avant de m'endormir, je lisais. J'ai lu tout en français. Et puis j'ai eu fini de le lire. Puis je me souviens que je me suis dit en moi-même, ben voilà. C'est comme si je prenais Dieu à témoin, mais je n'étais pas conscient de ça, si tu veux. Donc au fameux verset, ne suis-je pas votre Seigneur, ou qu'on a répondu oui. Pour nous, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, après, qu'on revoit avec les écrits de l'imam Ali sur le fait qu'on voit Dieu par le cœur, pas par les yeux, toutes ces choses-là, c'est toujours des choses qui nous ont parlé, parce que ce sont des expériences spirituelles qui sont de là née la certitude. C'est pas parce qu'on a dit, oh ben, si on fait des statistiques ou si on voit ceci, cela, on pourrait penser que Dieu, nanana. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des choses où on recherche une connaissance intérieure, qui est la seule connaissance possible. Voilà. Donc, si tu veux, il y a, comme tu dis, il y a l'histoire de la prédestination et du libre arbitre. Alors, effectivement, ça m'a vraiment, vraiment bien plu. Parce que là, je suis vraiment tombé, effectivement, j'ai vraiment senti pour la première fois de ma vie ce que c'était que le vrai, par ce qu'on appelle la métaphysique en français. Hein, que deviendra plus tard pour moi le tawhid. Là, il s'est passé quelque chose que j'y suis pour rien. Après, j'ai su que le prophète était le prophète, que le Coran était vraiment la parole de Dieu, mais j'ai cru à tout, après les anges, les livres, tous les autres prophètes, et si tu veux, mais comme mes racines étaient chrétiennes, aussitôt j'ai pensé à Jésus. Si tu veux, parce que ça me... J'étais vraiment soulagé et content de voir qu'on avait menti à son sujet, et que ce qu'on m'avait inculqué quand j'étais jeune, c'était bel et bien la vérité, mais que les gens l'avaient travesti, tu vois. Je me suis retrouvé croyant après. Et alors après, ben, les choses s'enchaînent. Ça a duré, je ne sais plus, 6 mois, peut-être bien, avant que je devienne musulman. Oh, j'avais 27 ans quand je suis devenu musulman. Et non, après, donc, ils sont devenus musulmans, mais moi,
Donc on était ensemble, ils sont devenus musulmans. Pour moi, ça n'a rien changé, si tu veux. Moi, c'était toujours mes amis. Et pour eux, ça, ils m'ont toujours accepté comme ça. Et quand ils sont rentrés, donc, Abderrahman et puis moi, on se connaissait depuis l'enfance. Donc on s'est trouvé à discuter, surtout avec le plus âgé, qui nous expliquait pourquoi ils étaient musulmans. Quoi. Je suis devenu musulman à la suite parce que pour moi, tout s'est fait logiquement, quoi, si tu veux. Pour nous, c'est vraiment notre voie et c'était évident que ça allait aller comme ça. Quoi. Et là, c'est devenu une évidence, comme je te disais, quoi. Après pour nous, c'est devenu comme une évidence qu'il fallait choisir. Je me souviens de cette époque-là, je crois qu'Abderrahman pourra s'en dire pareil que moi, c'est que comme on est assis, l'expression sur deux chaises. Il fallait choisir la chaise sur laquelle on s'asseyait, quoi. Donc ça a été une évidence pour. On ne s'est pas mis d'accord, mais dans la même année, on s'est converti. Lui s'est converti à Paris, puis moi en Algérie. As members of the group adopted Islam, they found greater meaning to their own Christian background. Before long, tenets of their Catholic past were returning as fundamental Islamic principles. Like a missing piece that's found, suddenly the jigsaw began making sense. Et un truc qui était bien, c'est que moi, même quand j'étais chrétien, quand j'étais gosse, pour moi j'ai toujours pris l'histoire du Fils de Dieu comme une métaphore. J'y ai jamais cru, parce que ça me semblait évident que Dieu ne pouvait pas être un homme, quoi. Donc moi, je n'ai pas eu de problème par rapport au christianisme, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais été un catholique dans la doctrine catholique, mais un catholique dans la façon dont le catholicisme avait éduqué les gens. Je crois bien que c'est Dieu qui guide, mais ça n'empêche pas qu'il y a un travail à faire. Mais si on croit qu'on est soi-même l'auteur du résultat, alors ça, c'est du shirk. Les curés, les sacrements, tous ces machins-là, en fait, naturellement, je n'y avais jamais adhéré. Donc, je n'ai même pas eu à renier, parce que ça ne m'a jamais posé de problème, moi, ça. Donc, quand j'ai relu et puis que je suis arrivé, la succession des prophètes m'a semblé évident. Et donc, je n'avais aucune raison de ne pas reconnaître Mohammed comme un prophète. En plus, on m'avait pas élevé d'une manière, quoi que ce soit, raciste ou anti-arabe. Mais la guerre d'Algérie, moi, ça n'a pas été un traumatisme à la maison, quoi. Donc, il n'y avait pas d'affaires à régler avec les Arabes. Donc, ça ne m'a posé, là aussi, aucun problème. On était devenus musulmans parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens. Je crois que déjà, chacun doit s'employer à témoigner là où il est. Et voilà, parce que si tu veux, une chose est sûre, le jour du pacte où Dieu a dit « Alastu bi rabbikum », tout le monde a dit « Bal shahidna », hein? Donc tout le monde le sait. T'es dans le sud de la France, un coup qui m'avait redit ce que tout le monde dit, hein, qu'on devient musulman, on est pardonné, on revient tout neuf, on oublie tout. Moi, je lui dis « ta-ta-ta-ta-ta-ta, je n'oublie surtout rien. Je n'oublie pas les fois où j'ai roulé sous la table tellement j'étais ivre mort. Non, j'oublie surtout pas, parce que je sais que Dieu est venu me rechercher. Et qu'oublier ça, ce serait oublier la bénédiction de Dieu. Et je ne veux surtout pas. Listening to Abderrahman and the others, you see a genuine grasp and understanding of the religion. Put aside the traditional exterior of the basic obligatory acts. Spending time with them, you see an effort to understand the various layers of meaning, from the mystical spiritual to the various philosophical interpretations of different thinkers. With an interest in the deeper understanding of the religion, the group embarked on their first month of fasting, attending the mosque in Rams, some 50 kilometers away. On va à la mosquée et on ressort de la fête avec deux fois moins de foi qu'on avait en rentrant, quoi. Mais parce qu'on sent que c'est faux tout ça, qu'on fait du zik, mais alors t'as un crooner qui est là parce que, hop, à un moment donné, hop, ça s'endort, alors, et puis hop, leur partie. Mais tout ça, ça fait, c'est ridicule. On se dit, on revivait les mêmes choses dans la forme et dans le fond, c'est vide. Et après, les gens étaient sympas, hein, les Arabes, pour ça, pour recevoir, pour on allait manger des gâteaux chez les uns, tout ça c'était bon à manger et tout, c'était très bien, puis on discutait de rien. Et donc on a l'impression d'un vide complet, quoi.
Like the inspiration to the truth that flows unpredictably, the group who struggle to find real benefit from the mosque would in fact find that the truth would come looking for them. Donc résultat de la course, à ce moment-là, ça, je ne sais même plus par quel hasard qu'on avait rencontré un musulman, ce n'était quand même là-bas, qui était chiite. Et c'est par lui, donc par, comment il s'appelait, Abdelkarim, qu'on a rencontré les premiers chiites. Parce que lui nous a dit, non, moi je ne peux pas vous en causer, je vous montre, je vous indiquerai des gens, etc. Donc c'est là où on a connu Ben Issa. Et puis, d'autres personnes comme ça, après Tidjani, enfin voilà, des gens qui ont commencé à qui on pouvait poser des questions et qui nous donnaient des réponses. On commençait à se rendre compte qu'on était en train de suivre une religion comme le catholicisme, et puis qu'est-ce que c'est, le prophète est mort, et puis il n'y a plus rien. C'était insupportable cette affaire-là. Donc on s'est un peu renseigné, on a rencontré des chiites chez Abdelkarim à Reims, et puis après on a rencontré Tidjani. Qui nous a expliqué plein de trucs au sujet du chiisme, qui a répondu à nos questions. On ne savait pas que le chiisme existait. Puis il y a eu la révolution islamique à cette époque-là, mais nous, c'était pas le côté politique et révolutionnaire, tout ça, c'est pas notre problème. Donc ça nous a pas attiré. On s'est pas dit, chic, une révolution, on va s'intéresser au chiisme parce que c'est une révolution chiite. Alors ça, c'était pas du tout dans nos manières de voir. Dans l'esprit, on était chiite dès le départ, mais on ne le savait pas. Et donc là, il n'y a pas eu photo, on est passé très rapidement donc, du sunnisme au chiisme, mais comme on rentre à la maison. Quoi. Ça nous a semblé vraiment évident. Même si justement à l'époque, par exemple, je ne me posais pas des questions du style « qu'est-ce que c'est que l'imama ?» par exemple. Mais je sentais bien qu'au fond, j'avais déjà tout ça. Tout ça, c'était en moi, quoi. Mais pour nous, ça n'a posé aucun problème de devenir chiite, parce qu'on a reconnu la lumière du vrai. Alors, et en même temps, ça nous a soulagés. Et c'est pour ça que le chiisme en lui-même porte une doctrine sublime. Et que, Dieu merci, on a encore un imam qui est présent parmi nous, bien qu'occulté, et que c'est vers lui qu'on se tourne, quoi. Et que s'il n'était pas là, c'est la fin de tout, quoi. Donc, si tu veux, là, on a trouvé une religion de vérité, et là, on s'y est attaché, là. Becoming Shia doesn't end with the Shahada. It requires greater research and understanding. Abdul Rahman and Abdul Majid are no different. They have made learning about Shia Islam a lifelong struggle. Mastering Arabic and researching greater, deeper understandings of Tawhid, Imama, and all other tenets of Shia Islam. On était convertis, puis avec nos familles, ça allait pas, donc on s'est retrouvés dans un mobilhome, on a acheté un mobilhome, on a vécu quelques années là, et puis après, on a cherché à se marier chacun de notre côté, quoi. Donc il y a eu une période où on était un peu éclatés, et enfin, c'est. D'en parler, ça m'émeut, mais c'était difficile, hein. Cette période-là, on était séparés. On a commencé à avoir des enfants et on s'est dit, on peut pas. Il faut qu'on refasse quelque chose en commun, qu'on a pu. On se voyait comme ça occasionnellement, mais pas souvent, quoi. Bien qu'avec Abdelmajid, on était voisins, mais c'est pas. Il manquait quelque chose. Et il y a eu cette histoire qu'on a décidé de faire une mosquée. On se dit, on ne peut pas continuer à se voir comme ça, les uns chez les autres, la bonne ambiance. Puis le problème qui se passe quand on est comme ça, on passe chez les uns chez les autres, puis on parle. On a cherché un endroit, et donc on a trouvé ce qui est devenu notre mosquée actuelle. Le Moulinet, c'était vraiment une délivrance. Quoi. On y allait bosser tous les week-ends, le dimanche. Même les gamins, au début, ils étaient fin fous de partir là-bas. On allait travailler le dimanche, le lundi j'étais encore lundi, mardi j'étais encore là-bas, le jeudi, vendredi j'étais déjà pour le dimanche, quoi. Tellement c'était le. Ouais, c'était vraiment ça qu'on cherchait, quoi. Et ça, c'est vrai que ça, effectivement, ça a quand même tout changé, parce qu'effectivement, ça a cristallisé, ça a réalisé quelque chose de concret autour de quoi on s'est mis à tourner, quoi, en fait. 96 qu'on a racheté Moulinet. À l'époque, il y avait le laitier qui passait, qui prenait les bidons à la main, il n'y avait pas de truc pour aspirer, il y avait le marchand de peau de lapin, enfin, pour tout situer un petit peu, on tuait les lapins, puis on mettait les pois séchés, le monsieur il venait acheter les peaux de lapin. Donc, Tout simplement, donc, c'est un masjid
Donc pour nous c'est très important parce qu'un masjid chiite, bon bah nous on n'a que à côté de nous on n'a que celui-ci. C'est très important parce que nous, toutes les familles qui fréquentons cet endroit, ça nous permet de nous voir. Ça nous permet donc de pouvoir faire bah, les cours d'arabe, de parler religion, de pouvoir travailler ensemble. As time went on and the community grew, they realized that like their own faith and understanding of the religion, their mosque also needed work to grow and expand, meeting their ever-growing needs. Depuis, donc on continue toujours à y travailler, mais c'est habitable depuis une dizaine d'années, quoi. Ouais. Mais au début, il y avait des trous dans le toit, c'était presque une ruine, quoi. Puisque bon, moi, quand je suis arrivé en 98, ça avait déjà été acheté, il y avait déjà eu des travaux, tout ça. Mais on continue d'année en année de construire des choses, de mettre en place du confort, de faire comme le mihrab, des choses comme ça. Quelque chose qui est vraiment d'ici, qui a donc tendance, Inch'Allah, à perdurer. Le nombre, on s'en fout, mais complètement, c'est pas notre problème. Si Dieu fait qu'on sera plus nombreux, alhamdoulilah, s'il fait qu'on n'est pas nombreux, alhamdoulilah, quand même, c'est pas grave. C'est pas ça notre truc, mais c'est vraiment de faire que, les musulmans d'ici sont des gens d'ici et sont des vrais musulmans. Ben c'est l'endroit où on se retrouve, on coupe la vie d'ici avec tous les mécréants et on se retrouve entre croyants, on fait des cours d'arabe, des cours de religion, et c'est une bouffée d'oxygène à chaque fois pour nous. Having been from different areas and different generations, the community now had their focal point, a home where they would congregate and work together to better themselves in the deen and in their daily life. As the community established itself, people from outside began to learn and interact with its members. Bilal found Islam through his time at the university, but came to know about Shia Islam through the community at Le Moulinet. À 18 ans, 19 ans, quand j'ai eu l'occasion d'aller à l'université, j'ai pu rencontrer donc des gens qui étaient musulmans, notamment donc quelqu'un qui s'appelait Saïd, qui était donc musulman marocain. Avec qui j'étais très proche, sans vouloir faire vraiment de prosélytisme, donc il me parlait souvent de l'islam, de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai été une période de ma vie aussi où j'ai tenté pas mal de choses, je faisais souvent la fête, l'alcool, des choses comme ça. Et puis je me suis retrouvé à un moment où bon, je voyais bien que ça ne menait nulle part, j'avais vraiment un manque dans ma vie. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma femme, Jamila. Donc au début, on se connaissait. Bon, t'es musulman, je suis musulman, ouais. Et puis, donc j'ai pu savoir qu'elle était chiite. Et donc, naturellement, sans problème, j'ai pu parler ouvertement avec Jamila, donc qui étaient les imams, des choses comme ça. Et je n'avais aucune opposition. J'ai même pu en parler aussi dans la mosquée que je fréquentais à Reims, et là j'ai bien vu que ça posait problème. On me disait c'est des problèmes politiques, faut pas s'intéresser à ça, c'est politique. Bon, sauf que moi ça me disait quelque chose, et puis donc j'ai voulu en savoir plus. Et puis naturellement donc les choses se sont faites aussi avec Jamila, et puis on a pu faire un mariage. Et rapidement, je suis devenu chiite aussi, où pour moi, il y a des choses qui étaient devenues évidentes. As the community began to develop, it became clear that there were growing roles and responsibilities for its members. Everyone had to take on a certain task and make it their own. Abdul Noor is in charge of the community food supplies. Collectively, they all harvest and store food for the winter months. Je suis membre de l'association, Abdel Noor, il est trésorier, Abdel Majid, il est l'imam, Abdel Rahman, il est... comment dire ça, je ne sais pas comment le dire, donc ils sont à trois responsables, quoi. Hein,
Moi, je suis comme Bilal, je suis membre de, voilà, membre de l'association. Quoi. Je suis maraîcher, je fais du maraîchage bio depuis 31 ans, quelques années après être devenu musulman. C'était la suite, je suis devenu musulman en 81 et j'ai commencé l'activité en 84, à peu près en même temps qu'Abdelnour, dans son métier de menuisier. Là, c'est pareil, c'est une liberté qu'on a dans son travail. Bon, je n'ai pas l'impression de me vendre en faisant ce métier-là. Enfin, vendre mon âme, quoi. Donc ça va. Quoi. C'est le genre de métier qui permet de garder mon intégrité, enfin, j'espère. Donc, 85, c'est le début où Abdelmajid m'a fait un petit local pour pouvoir démarrer l'atelier de menuiserie parce que je cherchais du travail, pas moyen de trouver du travail, j'avais pas d'expérience. Moi en ce moment, parce que c'est un peu la crise pour tout le monde, mais il y a toujours du travail quand même, ça va. Sinon la fabrication c'est que pratiquement du sur-mesure, des choses que tu trouves pas, c'est pas des choses courantes. Quoi. C'est un chapelet de prière, donc... Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. En miroir pour mettre au mur. Abdelnour is also a very talented carpenter, and Abdelmajid saw this in him. After helping him establish himself, Abdelnour was able to earn a sufficient livelihood and use his skills to develop the mosque and adjacent buildings. Part of his carpentry work is the restoration of old pieces of furniture and such like. Petit à petit, on a grandi la maison avec les frères, parce qu'à chaque fois qu'on fait un boulot chez quelqu'un, tout le monde vient bosser, après on bosse chez un autre, sans calculer, on ne travaille plus chez toi ou chez l'autre, on n'a jamais travaillé comme ça, on est toujours... Il y a besoin de 3 mois ici, on travaille 3 mois, il y a besoin d'un mois ici, et à chaque fois qu'il y en a un qui demande, paf, tout le monde vient, quoi. C'est ce qui permet d'avancer les choses, quoi. Parce qu'on a, à travers les expériences qu'on a fait, on a eu l'impression qu'on était quand même agréé. Voilà, qu'on a cherché, par exemple pour la mosquée, on avait démonté un vieux bâtiment pour faire un truc en bois qui aurait fait un truc complètement nul. Mais en fait, après on a trouvé autre chose parce qu'on avait aidé quelqu'un. C'est par lui qu'on a trouvé la maison. Enfin, ça a été des trucs, pour nous, des miracles, quoi, qui ont fait qu'on a senti que Dieu nous agréait dans ce qu'on faisait. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fantastique. Aside from the various manual jobs needed to run the community, Abdelmajid looks after the clerical affairs. Regarder les papiers, le numéro d'assurance complémentaire, telle caisse de retraite, telle autre caisse de retraite, le numéro de cotisant, combien qu'elle paye, puis alors je te dis pas, on t'en demande. Mais après, quand je me rappelle que finalement c'est un acte d'adoration, ça change tout. Donc tu vois, pour ça c'est pas... The community meets at least once a week, where they take time to learn various different subjects. All members, from the young to the old, have weekly Arabic classes, in the hope they are always in touch with the Quran and the traditional Islamic texts. This allows them access to the earliest Islamic sources. Abdelmajid and Abdelrahman know they won't always be there. They hope that they can pass on Islam as they found it to the following generations through these classes. Et donc moi, ce que je trouve important, c'est que déjà, ça nous donne un lieu pour nous réunir. Ça nous donne un lieu où justement nos enfants, moi-même, nous-mêmes, donc on peut venir parler islam, faire des cours d'arabe, donc pour pouvoir essayer de mieux s'emparer de notre religion, lire le Coran, Doua Koumeil, des choses comme ça. Et cette mosquée, c'est vraiment notre centre, c'est notre centre qui nous permet donc de pouvoir remonter au niveau de notre iman, de notre foi. C'est par devoir qu'on fait les choses. Alors, on fait les choses comme c'est de l'extérieur. Bon, il y a des trucs qu'on aime, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Bon, ben là, c'est vrai que j'aime pas trop être mis en scène. Mais je m'en fous complètement à partir du moment où je sens que ça vit et qu'on est en train de parler de l'essentiel. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Comment parler de...
de la divinité, parler justement du lien avec lui, du devoir qu'on a avec lui, du pacte qu'on a avec lui. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste... La vie, c'est le temps de la preuve et de l'épreuve. Parce que l'homme étant ce qu'il est, un peu bête et un peu feignant, c'est par les épreuves qu'il arrive à progresser dans le chemin spirituel. Par ton exemple, tu fais ce que tu as à faire, humblement, puis si Dieu veut que quelqu'un comprenne par ton comportement ou par ce que tu fais et qu'il comprenne quelque chose, alhamdoulilah. Donc il y a notamment deux auteurs qui nous servent beaucoup ici, au Iné, dans notre Ouma, dans le Masjid. C'est René Guénon qui a pu écrire sur justement les valeurs de la science sacrée, mais qu'effectivement, s'il y aura toujours des centres spirituels, il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on peut remonter et retourner vers Dieu. Quoi. On se sent revenir comme un gosse, où on a cette connaissance du divin qui n'a pas du tout besoin d'explications, de raisons, de choses comme ça. Et le deuxième auteur qui nous a beaucoup, qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est un philosophe qui s'appelle Henri Corbin, qui a pu écrire justement sur l'islam chiite tel qu'il a pu lui le découvrir en Iran. Et donc il nous a mis, grâce à ses livres, certaines notions et puis des éléments de la doctrine des imams. Voilà, c'est ça mon désir, être en rançon pour l'imam. C'est tout un travail qui occupe toute la vie. Voilà. Quand on a la certitude, on a envie d'avoir des fois d'être mis en difficulté. Parce qu'on sait que derrière les difficultés se cachent des tas de trésors. Djihad al-Nafs, ça peut être une belle voie de garage qui fait que tu t'illusionnes sur beaucoup de choses. Et puis à la fin, c'est une voie de garage, quoi. Et puis quand on te demande sincèrement, là, le jour du pacte, est-ce que je ne suis pas ton seigneur? Ah ben si! Et t'as rien compris. Donc ça, je te dis, ma préoccupation, c'est d'être en rançon pour l'imam, voilà. As the group recount their story, remembering how they found Shia Islam, whilst making sense of their Catholic past, naturally they look to the future. What is to happen with Le Moulinet and the forthcoming generations? Là, on a dit que c'était dans la main de Dieu, hein, ces choses-là. Hein. Et que ça demande une spontanéité des gens, hein. Comment un élan vers Dieu, de la sincérité, ça dépend pas de nous. Hein. Donc, ma foi, si tu vois quelque chose de bien, mais bon, qui serait bien. Non, bon, c'est tout, nous on était la première génération, on espère qu'il y en aura des aussi brillantes derrière nous, voire mieux, ce serait même encore mieux, voilà quoi, puisque nous notre but c'est d'installer l'islam ici comme si c'était comme la religion naturelle quoi. Donc déjà nos enfants ils sont nés musulmans, c'est vrai que nous quand on parle du christianisme à des fois eux ils savent même pas, nous ça nous semble naturel, on est nés dedans et on se rend compte que nos gosses ils connaissent déjà pas. Ils sont pas allés au catéchisme, ces machins-là. Donc eux, ça va se jouer sur une autre forme. Ils sont nés musulmans ici, ils sont d'ici. Et on verra bien si la greffe prend. Ça demande confirmation. Oui, oui, non, mais c'est vrai que ça sera pas du tout la même... Pour eux, ça sera pas du tout les mêmes enjeux que pour nous. Même si on n'a pas l'impression d'avoir été déconvertis dans le sens de changement de religion, parce qu'en fait... On a l'impression d'être resté dans la même avec une forme différente. Oui, d'être resté fidèle. N'empêche que pour eux, ils sont nés musulmans directs. Et donc, ça sera quand même un peu différent. Ils se posent pour eux les mêmes problèmes que partout d'ailleurs. Hein. Parce que ceux qui sont nés musulmans, ouais. Ils ont le même problème. Je pense que c'est vrai que pour nos enfants, quand on leur demande pourquoi ils ont un nez musulman, ils disent à chaque fois c'est nos parents qui se sont convertis. C'est la réponse directe qu'ils nous ont donné ce nom-là. Tandis qu'eux, ils se disent nous, on est nés musulmans. Puis on est né ici, et avec des noms, puis des têtes d'ici. Donc c'est vrai que ça, rien que ça changera déjà la donne. Et puis c'est tout. Puis après, ça sera à eux de jouer. Nous, on va essayer de finir ce qu'on a commencé. Après, on commencera à s'enterrer les uns les autres. C'est pas que c'est le dernier qu'on enterrera. Mais c'est vrai qu'après, ça sera notre histoire, quoi.
mais en espérant que l'esprit restera. Through God's hand, Abdul Rahman and Abdul Majid found Islam. In this way, with the same inspiration, the hope is that God will continue his blessings on the community, growing it into a larger bastion for Shia Islam in Aden and further afield.